Donc du coup, il y a quoi? Regardez là. Regardez. C'est quoi tout ça là? Ceci, c'est quoi là? Eh bien, mon pote, on a fait un trust Minecraft, mais genre Fortnite. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir un PVP faction mélange à Fortnite. Mais ça va être une tuerie, mon pote. T'es pas prêt, je te dis direct, mon gars. C'est gratuit, mon pote. On vous a préparé un launcher, tout. Merci des abonnements, les gars, ça fait plaisir. Parce que vous pourrez télécharger le launcher dans la description. Mais pour le moment, on va partir sur la petite présentation du serveur. Vous allez vite comprendre. Alors attention, ça, c'est pas le serveur roleplay. Ça, c'est un autre serveur. Celui-là, il est pas fini encore. C'est-à-dire qu'on vous l'ouvre. Comme ça, vous allez pouvoir commencer à faire vos trucs et tout. Mais il est pas fini. Et ça va être une tuerie, vous allez voir. Ça va être une tuerie. Vous allez voir. On va commencer à aller dessus. Vous allez voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Alors, bon, nous avons le petit spawn, machin, ceci, cela, tranquille, la vie, hein, attendez. Hop, on va se mettre en GM1. Donc, bon, on arrive dans le spawn. Dans le spawn, on a quoi? On a le petit panneau, YouTube, Zertech, machin, truc. Voilà, vous pouvez cliquer là, la boutique, le Discord Minecraft et le Twitter Trust. Donc là, après, il vous suffit juste de cliquer là et puis ça vous propose de l'ouvrir, machin, ceci, cela. Bref, vous connaissez les trucs, machin. Il y a les petits Hunter Chest, bien entendu. Bah, il y a les VIP, les VIP+, les ceci, les cela, il y a les glandus comme lui. Et ensuite, nous avons une très très jolie map, franchement. Une toute map, mais vraiment stylée. Avec le petit spawn et tout, là, franchement, pépère. Mais regardez, genre. Honnêtement, ça, c'est le spawn. Là, vous sortez. Là, vous avez des petits trucs. Enfin, il y aura toujours des nouveautés, vous allez voir. Il y aura beaucoup de nouveautés. C'est-à-dire que profitez-en de venir parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés aussi sur le truc. Genre, là, t'arrives, la petite random téléportation pour arriver au truc. Et là, vous êtes dans la warzone. Là, c'est là que vous allez pouvoir vous fighter. Vous allez me dire, mais ouais, mais le fighter, machin, ceci, cela. Mais ouais, mais vous allez voir les fights. Vous allez voir les fights. Pourquoi Fortnite? Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir. Il y a, ça fait un peu ville abandonnée, ville enfin, ville un peu détruite. Tu sais, les champs un peu perdus et tout. Regardez avec les chemins. Les trucs comme ça et tout. Enfin, la Warzone, elle est vraiment stylée aussi. La map est vachement stylée. Il y a un bateau avec une zone, une grotte et tout, machin, truc. On vous laissera checker. Vous verrez par vous-même. Bref, nous sommes dans la Warzone. Que se passe-t-il? Je suis en GM0. Parce que je suis un joueur. Je ne suis pas fondateur. Je suis un joueur. J'ai ceci. Un mur, un plancher, un escalier. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est facile, mon pote. Paf. Voilà ce que c'est. Tac. Tac. On peut construire les escaliers et tout. Et oui, et oui, et oui. Mais on peut aussi, bah du coup, tu construis ton plancher. Tac, 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 tac. Tu fais tes bails après. Tu construis, tu construis, tu construis. Paf, paf. Bref, le petit mur, le petit truc comme ça. Bref, enfin voilà. En gros, c'est vraiment exactement pareil, mon pote, que sur Fortnite. Donc là, on va faire un petit GM1. Pourquoi? Parce que si, par exemple, bah, j'ai ma petite hache et tout. Donc, va y avoir plein de nouveautés. Dans quel sens? C'est-à-dire que là, pour le moment, on peut pas casser avec les armes à feu, mais ça va être présent. Mais par exemple, si je casse comme ça, eh ben voilà, tu vois, ça casse une bonne partie du truc. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais le shield et tout. Oh, on va vous montrer le shield. Vous inquiétez pas, il y a tout, les gars. Il y a tout. Il y a les potions légendaires. Il y a tout. Il y a ceci, il y a cela. Mais vous allez voir, c'est loin d'être fini. Très très loin. Bientôt, il y aura vraiment tout. Il y aura les trampolines, il y aura le parachute et tout. C'est déjà prévu. Et ça va très très vite arriver. La map va être générée dans 5 minutes, ça veut dire que toutes les constructions Fortnite disparaissent et du coup ben, ça laisse place, enfin voilà, ça casse pas tout ça, ça disparaît juste les constructions Fortnite, histoire que la Warzone ne soit pas envahie par tout ça en fait. Alors quand on appuie sur échappe, bon voilà, on a notre petit échappe, on a appelé un administration. Pour le moment, il n'y a pas la donne, on l'a pas mis, mais il va être mis et du coup, ben, quand tu feras ça, tu auras juste écrit la raison, ça appellera un administrateur. T'inquiète même pas, mon pote. Est-ce que c'est pour les cracks? Oui, c'est pour les cracks, les gars. On vous fournit carrément un launcher, les gars. Vous avez juste à lancer le launcher. Quand vous appuyez sur inventaire, regardez, il y a des boutons ici. Il sait quoi? Ici, bon, c'est le home, c'est-à-dire que ben, mon home, ben, j'arrive à mon home. Le spawn, j'arrive au spawn tout simplement. Le shop, je vais vous montrer à quoi ça sert. Les kits, c'est ça tout simplement, joueur VIP, VIP plus, quand t'es kit, ça sera tous les kits qui seront mis à disposition. Voilà, pour les VIP plus, pour les VIP, pour les joueurs, il y en aura plusieurs parce que là on a mis vraiment le strict nécessaire, mon pote. C'est à dire qu'il y aura mais vraiment ça sera un truc énorme. Il y a l'HDV. L'HDV, c'est quoi? L'HDV va être refait aussi. Enfin, va être amélioré, c'est-à-dire que ça sera le même HDV, sauf que tu auras les boutons ajouter, vendre ici, ainsi de suite. Mais en gros, par exemple, je vais vendre, eh bien, ces deux graines de blé que j'ai, je vais faire un petit vendre et on va les vendre 50$. Paf, voilà, elles sont à vendre, elles sont là. Tac. Bien entendu, il vous faut construire
vos haches, il vous faut construire vos armures et tout le bordel, tu vois, genre. Il y a le shop, qu'est-ce que c'est que le shop? Alors pour le moment, il y a les crafts, on les a fait comme ça. Le trust point, dans la boutique trust point, vous pouvez acheter ben, la bedrock, le ceci, la bedrock, le bandage, les kits de soins, les mini shields, les packs initiés, les spawners. Alors attention, elle n'est pas finie, c'est-à-dire qu'il va y en avoir beaucoup plus. Si je dis pas de conneries, si je fais ça, je fais ça et que je clique par exemple sur spawner, tu vois. Vous avez tous les spawners différents. Ici c'est quoi? C'est des soins. Qu'est-ce qu'il faut? Vous allez dire encore des trust points. Mais non, t'inquiète pas mon pote, regarde. En gros je t'explique, pour faire un bandage, il n'y a pas la texture encore. Mais pour faire un bandage, en gros, ah si je crois qu'il y a la texture. Il faut deux papiers et une ficelle. Papier. Hop, deux papiers et une ficelle. Paf, on fait ça, on fait shop. Si je vais dans soins et que je fais un bandage, je clique, regardez, paf, c'est bon, j'ai mon bandage. Il est là. Ça m'a enlevé les papiers, les trucs ficelles, il est là. Mais enfin voilà, bientôt ils pourront se stacker. Là ils peuvent pas se stacker, mais ils pourront se stacker. Je sais pas, en 16, en 15, en 60, j'en sais rien, on verra ça, mais ils pourront se stacker, tout simplement. Mais les bandages, c'est pareil, c'est-à-dire que regardez, là genre j'ai mon. Là genre j'ai radé ma vie. Vous allez me dire ceci, cela, mais regardez. Hop, là je suis en train de me bander. Si je me casse, bien entendu. Ben, je gagne rien. Et puis ça me dit juste que ben, j'ai perdu mon truc. Enfin voilà, tu vois. On va se bander, vous inquiétez pas, regardez, on va se bander. Hop, hop, ça me remet de la vie. Alors regardez maintenant, j'ai combien? J'ai 7 coeurs et demi. Alors, qui connaît la règle des bandages de Fortnite? Au-dessus de 75%, on ne peut pas. 7 coeurs et demi du coup là, eh bien si on fait ça, paf, regardez. Eh bien je peux pas, parce que j'ai déjà 75% de ma vie en gros. Donc du coup, ben, je peux pas utiliser mes bandages, tout simplement. Le kit de soins, c'est comme Fortnite, ça te remet... 10 de cœur en gros ta vie entière. Les shops, c'est pareil, c'est-à-dire t'as le mini shield et tout, là c'est il te faut une fiole et un seau. Donc fiole et un seau d'eau, on fait comme ça, on fait notre petit shop. J'ai envie de récupérer des mini shields, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Voilà, j'ai mes 4 mini shields. Mes 4 mini shields, c'est pareil, c'est-à-dire que je peux en prendre un. Voilà, ça me le met. Tac. Alors voilà, ça te remet de la vie en premier. Toujours, c'est-à-dire qu'en fait le problème c'est qu'on peut pas faire en sorte qu'il y ait une armure ainsi de suite. Mais par contre, regardez, du coup je vais en prendre deux autres. Attendez. Tac. Tac. Et par contre, regardez, là ça fait rien, voilà. Vous ne pouvez pas aller au-delà des 15 coeurs. Voilà, parce que ben, dans le mini shield, pour ceux qui jouent à Fortnite, savent très bien qu'on ne peut pas aller au-dessus des 15, enfin des 50 de shield. Donc du coup des 15 coeurs sur Minecraft plutôt. Je me fais deux mini shields, je les ai là. Et je crois que avec le lapis lazuli là. Ouais voilà, vous voyez, paf, deux mini shields et un lapis lazuli. Et ça te donne le shield. Alors ça vous donne pas la lenteur, vous inquiétez pas. C'est-à-dire que si je prends, regardez, ça va me mettre. Là, bien entendu, ça met un peu plus longtemps, hein, parce que le shield 50 c'est plus. Hop, et ensuite ça me met ben, les vainqueurs. C'est-à-dire que j'ai vainqueur. Et en plus de ça, attendez, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, ça me met pas de lenteur. Regardez, voilà, vous inquiétez pas. C'est-à-dire que c'est juste un truc, machin. Ben, ça va être chargé, vous inquiétez pas. Ah, il y a un truc que je vous ai pas montré aussi. C'est que bien entendu, du coup, on peut faire les soins et les shields, mais on peut faire les armes aussi. C'est-à-dire que là, il y a les munitions. Paf, 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 paf. On va sur le shop, on fait armes. Il y a les munitions, il y a les armes aussi. Alors là, c'est pareil. Il faut par exemple un Glock 17, un Beretta, un Magnum, machin. Et ça vous dit ce qu'il faut, tu vois. Or 32, fer 32, reston 32, ainsi de suite. Bien entendu, pour que ça aille au plus compliqué. Et là, franchement, ça commence à devenir sévère, mon pote. Parce qu'il y a de l'émeraude, il y a ceci, il y a cela. Mais enfin, bref, ça sera plus tard que ça viendra. Il y a même du C4, regardez. Il y a même du C4. Et il y a le piège. Vous allez me dire, oh, le piège, ceci, cela, machin, truc. Oui, il y a le piège, regardez. Alors moi je vais me le give, hein, bien entendu, paf. Mais regardez, il y a le piège. Attendez, on va aller là-bas. Vous allez voir, je vais vous montrer. Genre voilà, je pose le piège. Regardez, le piège il est là. Genre, alors j'ai 20 coeurs. Enfin bon, j'ai 19 coeurs et demi du coup. Si je marche dessus, regardez. Là ça me fait rien. Bah, là ça me fait rien parce que bah, pour le coup moi j'ai une seconde de délai. Donc du coup ça me fait pas mal. Mais regardez, lui il est resté trop longtemps, paf. Alors regardez, vous inquiétez pas. Si j'y reste un peu longtemps. Ah non, moi je crois que ça me fait pas mal à moi, vu que c'est moi qui l'ai posé. Et oui, moi ça me fait pas mal, vu que c'est moi qui l'ai posé. Voilà. Et là, si je fais ça... Ouais, voilà. Ben voilà. Vous voyez. Voilà.
Tout simplement. En gros, ça me tue. Enfin, bon, là, je suis resté trop longtemps. C'est pour ça que ça m'a tué d'un coup. Mais ça enlève exactement 12,5 cœurs. Enfin, ça enlève 125, en gros, comme le piège dans Fortnite de base. Vraiment, c'est exactement pareil. Bien entendu, ben, il va y avoir les animaux, les ceci, les cela. Enfin, il y aura toujours, toujours, toujours plein de trucs. Il y a les snipers. J'ai failli mourir là. Ah non. Voilà, bon, donc, bien entendu, on peut le casser. Hein. Regardez, tac. Si je fais ça, paf, ça casse le piège. Hein. Enfin, en gros, c'est exactement pareil, les gars, que Fortnite. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Là, il nous manque quelques trucs et tout, mais ça va être presque tout pareil, les gars. Enfin, ça va juste être putain de génial, les gars. Il y a quoi? Il y a, bien entendu, une caisse de l'art, parce qu'on pourra se faire des dollars en vendant à l'HDV, ainsi de suite. Du coup, il y a la caisse de l'art où vous pouvez regarder les trucs qu'il y a à l'intérieur à gagner. Où, là, il y a ça, mais il y aura d'autres trucs petit à petit, parce que ben, on mettra encore plus de trucs, de meilleurs trucs, il y aura de nouvelles caisses, il va y avoir des putains d'événements, ainsi de suite. Là, les gars, on doit être, je vous le dis juste comme ça, là, les gars, on est à 10% du serveur. Hein. C'est comme le Gmod à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, quand on l'a ouvert, le Gmod à l'époque, il y avait presque rien. Regardez maintenant comment il est. C'est-à-dire qu'il y a toujours des grosses nouveautés, des ceci, des cela en fait, et du coup, il va y avoir ceci, cela quoi. Ça, c'est les caisses des VIP une fois par jour, caisses VIP plus une fois par jour, hein, avec voilà, les shields, machin, ceci, cela. Oui, parce que, vous inquiétez pas, il y a le shield légendaire qui vous remet les vainqueurs d'un coup. Et ça, c'est les caisses des joueurs. C'est-à-dire, ben voilà, les joueurs, il a une caisse par jour aussi. Mais il va y avoir, voilà les trucs, les gars. Pour le moment, il n'y a pas de grade YouTubeur. J'ai vu qu'il y en avait un qui demandait, je suis désolé. Mais pour le moment, il n'y a pas de grade YouTubeur, il n'y a pas de grade ceci. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y aura tout ça. Il y aura des grades YouTubeurs, il y aura des grades à acheter avec des dollars, des grades à acheter avec des trust points, des grades avec ci, des grades avec ça. Il y aura plus d'objets, plus de machins, il y aura ben, le trampoline. Il y aura le feu de camp, enfin, il y aura de plus en plus de trucs. Ça va juste être un truc de malade. Alors, c'est un PvP faction ou plutôt Battle Royale? C'est carrément un PvP faction mélange à Fortnite. C'est-à-dire que c'est pas genre tu lances ta partie, t'as toutes tes armes, ceci, cela, tu les craftes et puis après, ciao, la prochaine, t'as plus rien. Ah non, mon pote, là, c'est tu te fais ta faction, mon pote, et tu te fais ta petite base, tu te craftes tes armes, tu vas fighter les autres, tu vas les tuer pour récupérer leurs armes, tu vas piller leurs armes, leur base, c'est un PvP faction mélangé à Fortnite. Alors dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez justement du PvP faction mélangé à Fortnite, de ce concept. Est-ce que vous trouvez ça, ouais, bof, enfin voilà, j'aurais préféré un Battle Royale, ou est-ce que justement vous trouvez ça original et cool? En sachant que sur notre serveur mini-jeu, le PVP, le Fortnite va arriver en mini-jeu et en Battle Royale aussi. Alors voilà, et dites-moi dans les commentaires, les gars, toutes les putains d'idées que vous avez aussi. Parce que là, on fait du Fortnite mélangé du Far Cry à du Minecraft. Mais les gars, enfin voilà, il peut y avoir des idées innovantes. Nous, on pensait, par exemple, là, l'End, il est ouvert comme ça. Mais l'End, par exemple, tous les mercredis, il y aura un portail, par exemple, ici, où on rentre dedans. Et par exemple, tous les mercredis, pendant tout l'après-midi, tu as 4 ou 5 Ender Dragons qui spawnent, par exemple, et tu peux les dégommer. L'œuf que tu récupères, la personne qui récupère l'œuf peut la revendre tant de trust points ou tant de dollars, un truc comme ça. Et ainsi de suite, en fait. Donc, du coup, ça va juste être juste de malade, mec. On a désactivé le craft des épées, mais alors là c'est pareil, c'est-à-dire que nous on désactive les trucs, on les met, mais là ça va être à vous de nous dire ouais ça c'est cool, ouais ça c'est nul, ouais remettez ça, ouais remettez ci, ouais faites ça. Comme ça, et eh bien nous on peut le savoir, et justement c'est comme ça que le serveur va s'améliorer, et puis ça va être juste ouf, les gars. Voilà, c'est un faction modé et Fortnite pour vous montrer. Je sais pas, vas-y, viens, Véron, on se fait un fight, viens, Véron. Bon, alors là, tu vois, enfin, après, tu as vu, franchement, ça passe bien. Hein. Tu vois, tu fais ton petit truc comme ça, paf, tu vois, là, je me fais comme ça. Fait, tu récupères ton sniper, genre il y a Véron, il est là, tu vois, tac, j'ai oublié de recharger. Enfin, tu vois, je sais pas, tu vois, tu poses tes trucs comme ça, paf. Pif. Tu vois, on le bloque quoi, tu vois, genre tout simplement. T'as le bâtard, il m'a bloqué. Ah, il m'a fait tomber! Il m'a fait tomber, ce bâtard! Mais enfin, bref, vous avez compris le principe, tu vois, franchement, ça va être juste malade. Ça va, franchement, honnêtement, je pense que ça va être juste.